bien souvent la vie chante. À l'abri du soleil et au vent, deux tribus se disputaient la vertu des saintes traditions pires qu'une religion. D'un côté les évolutifs, voulant retourner et tournebouler, car il faut bien évoluer, quitte à tout casser. De l'autre les tradis, voulant étudier et respecter, car il faut bien conserver, quitte à se figer. Perturbateurs, vinrent ensuite les dandys, mais avant de vous en dire davantage, laissez-moi vous présenter les personnages.
ça répondait malgré au fil de leur querelle et autour des tables, ça discutait. C'était comme qui dirait conjoncturel. Alors voici que venant du chef-lieu, arrivèrent les merveilleux. Ils s'imposèrent dans le milieu et investirent les lieux. Volontiers, nos amis les laissèrent entrer et parader, mais déjà, je pense que vous devinez comment tout ça va se terminer. Regardez sur les côtés et vous serez fixés. Thank you.
leurs habits trop petits et tout défraîchis faisaient le bonheur des vikings. Ils jouèrent avec eux et leur demandèrent une démonstration de tradition. Ils exigèrent le petit doigt, les reines des fêtes sans roi, les tabliers, les cirés, que de clichés. L'histoire n'est pas aussi enjouée. Leur monde déshumanisé, désincarné, sans saveur, a triomphé. L'uniformité et la monotonie s'imposèrent. Triste fin pour cette histoire d'hier.
triste fin. Mais avec un peu d'imagination, il en aurait été autrement. Pourquoi ne pas rassembler les fraternités et ne pas s'inspirer des sensibilités? Et si les jouets ne s'étaient pas cassés? Et si les jouets s'étaient révoltés? Rêvons et imaginons. Si nos amis oublièrent vite broderies et coiffes, on espère un peu qu'ils n'oublient pas les sublimes aïeux. Cette histoire pleine de rimes et banales n'a décidément rien de moral. Ainsi s'achève notre 56e championnat national de danse bretonne.